Il fait frette. Il fait pas froid, il fait frette. Très frette. La fièvre des cristaux va me réchauffer. Let's go. Alors, c'est ça. Il fait très frette. il mouille peu. On gèle. Il doit faire proche du 0 degré. Peut-être 1 ou 2, 3 degrés. Si je suis chanceux. Je vais aller chercher ma caméra. Il y a eu des touristes. Il y a eu beaucoup de bruit, comme qu'on a vu dans les vidéos où ce que j'y retournais. Mais il y avait une caméra de cachet et la caméra visait un marais où il y avait des traces d'orignaux. Alors, je ne sais pas s'il y a eu des orignaux vu tout le tapage qu'il y avait. Peut-être pas. On va voir ce qu'il y a eu. Puis, je vais changer la caméra de place. On va la mettre à un autre endroit plus tard. Nous interrompons votre programme régulier pour une nouvelle internationale. Non, je suis désolé, public. Mon grand public, la caméra n'a pas fonctionné. Non. Il y a deux films dessus. Celui quand j'arrive pour la mettre. Puis celui quand je reviens pour la prendre. J'ai aucune idée pourquoi. J'ai mis de la nourriture pour animaux. J'ai mis des... Il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus de nourriture. Mais la caméra n'a pas fonctionné. Oh. Bon, fait que c'est magnifique quand même. C'est sombre, mais... Il y a plein d'animaux, on entend un petit oiseau, il y a de la belle végétation qui a poussé depuis la dernière fois. Alors on va admirer tout ça et on va prendre ça très relax. J'ai envie de faire une vidéo qui calme, qui relaxe. Et là je dis ça, hey, il fait tellement froid que j'ai de la... Oh, qui calme, qui relaxe. Placez-vous confortablement au chaud avec votre petite couverture. On va admirer la nature. Ça, c'est un drôle d'oiseau, ça. T'entends? S'il y en a qui connaissent cet animal, dites-moi là. On entend. Mais qu'est-ce que c'est? Il est loin, il doit être assez gros parce que son son résonne, son chant résonne. Ça, c'est la première fois que j'entends ça. La première fois à tout. Oh my god! C'est plein de chenilles infernales. On a eu beaucoup de chenilles. Encore une fois. Cette poussée de chenilles-là, là.
ça dure 2-3 ans. Et là, on est la deuxième année de pousse de chenilles. Ça, ces petits cristaux-là. Alors ici, à date, j'ai trouvé de la fluorite. J'ai trouvé un petit topaz, un petit morceau de fluorite. Et peut-être autre chose. La calcédoine, du beau quartz. Au niveau des minéraux. Hey, regarde-moi ça. Les chenilles, ils en donnent à cœur joie. Là. Ils ont tout mangé cet arbre-là. Petit boulot. Ils aiment ça, le boulot. Ça, c'est des pierres bien étranges. Elles sont grosses. Puis ont été disposées. J'ai l'impression qu'il y avait peut-être un site autochtone. Puis ça s'est transformé en mine. Puis ensuite en dompe. Puis maintenant, c'est en sentier. Il y a plusieurs histoires dans ce lieu-là. Qui est une montagne. Puis ici, il n'y a pas beaucoup de montagnes. Alors les montagnes, c'est quelque chose d'important. Il y a de l'eau de source aussi, qui est potable. Et de la montagne. Hein? Les chenilles mangent aussi les conifères. Je n'aurais pas pensé. Ben, regarde ça. Ils naissent dans les trembles, mais ils ne mangent pas juste du tremble. Oh, les cochonnes! Donc là, ils sont en train de manger un sapin baumier. Puis ici, ils mangent un aulne. Ah, le boulot ici était tout mangé. Du coup, je n'ai pas remarqué ça. Je pensais qu'il n'y en avait pas. Je savais qu'il y en avait en ville, là. À d'autres endroits. Ah, ça continue. Attends, ici, on a plusieurs cailloux. De même grosseur. Sur une butte. Comme s'ils ont été lancés, vidés là plutôt.
Et un autre sentier. Est-ce que vous voyez quelque chose de transparent? Ah. Attendez. Hop, ça. Deux petites dents. Étrange.
grotte. Tiens, celle de grotte. Bien. Quand on est caché. Oh. Attends. Avoir des verres et tout ça. Ça me dérange pas trop, ces chenilles-là sont douces, sont chaudes. Comme des petits oursons. Mais ils bouffent tout. À explorer. Je pense que dans ce lieu, ce site, il y a beaucoup de choses à découvrir. C'est-tu là ici qu'on m'a dit qu'il y avait une grotte? Je pense que oui. Je pourrais essayer de la trouver. Les enfants jouaient là, puis ouf. Il n'y a plus personne qui dit va. C'est pas affiché, rien, on ne sait pas pourquoi. Il y a un endroit où il y a une grotte. Une toute petite grotte, pas très creuse. Il n'y a peut-être plus, on marque. De ça. Il y a encore beaucoup à découvrir là-dedans aussi au niveau des pierres. Mais c'est pas le site où il y a les plus belles pierres. Il y a des petits cristaux intéressants, comme j'ai dit, mais à part ça, il n'y a pas beaucoup de grosses pierres intéressantes. Là, elles sont cachées. Ça signifie que ce site-là a été visité très, très, très souvent. Tiens, la pluie commence à tomber. Thank you.
Avec la pluie, on voit plus ce qui est transparent. Ça, peut-être, ça pourrait être intéressant. Comme des couleurs roses. Étrange. Oh, rose ici aussi. Vois-tu d'autres cristaux qui ressortent avec la pluie? Je pense que oui, hein? Oui, oui, oui. On va rester un peu, on va attendre qu'il y ait plus de pluie. La nettoie. Oh, mais jaune, ça. Ah, il y en a un ici. Je ne sais pas ce que c'est. Mais c'est comme ça que j'ai trouvé quelque chose l'autre fois. Il valait la peine d'être trouvé. Peut-être une fluorite. Quand t'es taché comme ça, là. Ah, il va me prendre une chance. Un petit truc blanc. J'aimerais ça avoir des petits trucs rouges transparents, roses transparents. Que ce soit pas toujours une carcasse d'insectes. Ici, les couleurs, ça va plus être dans le jaune, dans le blanc et dans le vert. Un petit peu de rouge, qui va souvent être en jaspe. On va être très, très attentif pour les petits cristaux. Ça se cache. Pour l'instant, j'ai rien qui me dit que c'est vraiment ça, là. Ça, c'est ça, là. On n'a pas encore trouvé. Ça va être plus transparent. Ça va être brillant. Ça, en gros, ça aurait été beau. C'est mignon, c'est des petits picots. On peut avoir un béryl. Ça, c'est une pousse de. Il faut que je. Oh, on a du transparent ici. Dans le gris.
Oh! Parapluie. Bon, je vais me déplacer un peu. On va aller voir ailleurs. Sale. Bon, la pluie s'est arrêtée, on ferme le parapluie. Et c'est reparti. Quelques plus. Quartz. Jasper orange, picture jasper peut-être. Étrange. Première fois que je vois ce spécimen-là. Ici, j'en ai déjà vu en céramique. Ah, c'est dans le ciment. Les belles pierres sont dans le ciment. Non! Elle est pas dans le ciment. Ah, c'est peut-être pas un granit en dessous. Intéressant. C'est plein d'os. Il y a bien plus d'os que d'animaux vivants. Je prends mon parapluie. Et on continue à marcher sous la pluie parce qu'il y a quand même des pierres qui sont visibles juste quand il pleut ou quand ils sont mouillés. On a vu, je n'ai récupéré deux calcédoines qui ressemblaient à des tranches de pizza. Et puis ça, une fois sec, ça paraissait pas du tout. Ça c'est quoi? Cette patte. Ouais, un beau petit feldspat, une genille. Pur. On va le prendre.
Oh. Ça. Et ça. La pluie à slack. Ça va faire du bien. Mais regarde. Ah, oh, c'est un goût d'os. Puis ça, c'est quoi? Ah, tu vois? Un quartz fumé. J'avais vu ça ici. C'est un vieux bout d'os. Puis il y avait un quartz fumé que j'avais pas vu à côté. C'est aussi, je pense. On a quelque chose. Oh. Une aventurine rose. Plus chic un peu que le quartzite. Avec du rose et un peu de jaune en vague. C'est tout joli, ça. Qui est rugueuse, pas trop cristalline, mais transparente, aventurine. Le quartzite, lui, sera pas transparent, il va être mort. Pas que ça qui est dans mon dos. Devant moi, j'ai des roches que j'ai vues tantôt, mais je voulais les voir une fois mouillées, qu'est-ce qu'elles sont. Ici, on a passé tantôt, on voyait rien. Et là, peut-être que ça peut changer. On a un granit avec quartz, ligne, mauve et verte. C'est comme un quartz enrobé. Hein? Granit enrobé dans le quartz. C'est beau. C'est spécial. Ça, c'est quoi ici? Une autre affaire du même genre, mais non. Ça a l'air qu'il y a du quartz dedans. On voit le blanc, le mauve, le vert. C'est spécial. On va la mettre en cadeau là, pour quelqu'un qui viendra. Oh! Ça. Un quartz avec des lignes. Des inclusions dessus, je sais pas quoi. Tire au gris, au mauve. Intéressant. Il faut mouiller, là. C'est plus les mêmes pierres. Ici, on a un autre quartz. Rose. Rose pâle. Complètement blanc neige. Complètement opaque. Une petite pointe ici. Juste une. Juste pour me niaiser. Je la garde pareil.
Ici, on a du blanc. Ça, c'est de la vitre. Ah. Ça aussi. Bon, la pluie commence de plus belle. Là, on entend les grues. Tantôt, c'était pas une grue, c'était d'autres choses. D'autres choses intéressantes avec un son spécial. Regarde la belle mousse. Superbe. En tout cas, c'est une montagne de cailloux d'à peu près la même grosseur. Comme qu'on a vu, il peut avoir des pointes. Alors, c'est intéressant de fouiller. Bon, je vais mettre mes cailloux dans mon sac parce que là, mes pantalons, ils tiennent plus. Format comme ça, c'est pas nécessairement quelque chose de mauvais. Parfois, les petits formats, c'est les meilleurs. Alors là, je pense que c'était un bout de chip. C'était pas une pierre. Ah, celle-là ici. Tu vois, elle a toute perdu sa couleur. On sait qu'elle est orange. Bon. On continue. Hop. J'ai échappé une petite pierre ici. Une petite belle petite pierre mauve. Un peu mauve. Bon, là qui était là-dedans. Thank you.
plantes extraterrestres. Pouf. Bizarre. C'est comme un cuir. Ils sont tous à l'envers. C'est tout ça. C'est plein. Ah, calcédoine. Eh ben, une belle petite calcédoine qui se cachait à travers le gravier avec des lignes orange comme de la peinture, hein? Orange cadmium. Orange rhyolite. Péridote ou rhyolite verte. Oh, on a des petits cristaux dedans, des petits grenats roses. Très bien ça. Je m'attendais pas à trouver une calcédoine, mais tu vois. Il y a de tout. Et c'est là que avec la pluie, les couleurs, les textures sortent.
cristal rosé avec un peu de rhyolite rose ici. Ça pourrait être un béryl, hein? J'en ai déjà des béryls qui ressemblent à ça. Sait-on jamais? Ah. Oh! Une petite pierre coille. Ouais, j'ai les doigts gelés, mais je m'amuse beaucoup. J'ai pas envie de partir. Je vais pas partir tout de suite. Oh. Ça, c'est pas juste taché. Entoure une autre rose. Tiens, tu vas te laver. Ça aurait pu me garder. Il est pas transparent, malheureusement. Mais bon, tout d'un coup, c'est un corindon. Un corindon, c'est pas transparent. Hey, il y a de la rouille. Oh! Rouille, beaucoup de craques. Il n'y a rien à faire avec ça. À moins que ce soit des inclusions spéciales. Là, la rouille, les inclusions de rouille, ça ne m'intéresse pas pantoute. C'est une sorte de plante champignon épiphyte. J'ai jamais vu ça. Vraiment. Je vais faire une recherche, je vais mettre le nom. Si c'est pas connu, ben je vais l'envoyer à la CEPAC. Cette île-là, elle se suspend sur des fils comme une araignée. On pourrait faire de la soie avec des genilles de même. Elle servir au moins quelque chose. J'ai peut-être bien plein les cheveux. Là. Encore de la scrap. Oh, c'est plus la mettre. On voit que ça a vraiment servi de tombe. Il y a aussi des jouets autour de cochonneries. C'est épouvantable. On va peut-être essayer des enterrer, mais ça n'a pas bien marché. Il faudra un travail à la main. La pluie ou de l'eau qui coule? Ou des gens qui, des animaux qui marchent? Je ne sais pas. Il y a toutes sortes de sons. Moitié quartz, moitié granit. Avec une ligne verte entre un granit rose et le quartz. Les arbres sont coupés haut. Ils ont été mangés l'eau. C'est pas tout de la chenille, hein?
Je vais manger ça. J'ai fait des belles trouvailles. Ah, regarde ça. Oh, jaune, jaune, jaune. De chez jaune. C'est taché ou c'est sa couleur? Là est la question. Si c'est sa couleur, c'est bon signe. Oh, il y a du jaune ici aussi. Ça, c'est très intéressant, ça. Le jaune à l'intérieur de ça. Ça peut être une fluorite ou un quartz qui contient un élément jaune. Très, très bien. Je pense que c'est mon préféré du jour. J'ai pas beaucoup de quartz jaune. Il est vraiment spécial. D'en avoir d'autres autour, mais tout ça, ça a été tout déplacé. Alors, t'en vois un, il est tout seul, il est pas avec les autres. Si t'es chanceux, tu peux en trouver un autre à quelque part, dans le même kilomètre carré. Du rose, un petit rose. Petit rose très très pâle. Un quartz jaune. Quand on avait un quartz jaune, un quartzite, on voit bien la différence. Un feldspath. Feldspath blanc, assez pur. Ça fait une belle pierre de lune. Une fois poli au maximum, pas un poli parfait par exemple pour avoir sa brillance. Quartzite. Jaune et vert. Si je l'ai roulé. Bon, peut-être même, je pourrais dire aventure. Bon, je vais aller mettre un peu sous le parapluie parce que je commence à avoir les doigts gelés. Même les pierres les plus banales prennent des belles couleurs. Tiens, on est belle ici. Poc. Une autre belle grosse pierre verte. Oh my God, en parlant de grosse pierre verte. Un œuf. Oh my God, ça c'est un quartzite. Il est superbe, énorme. Ça, je trouve c'est une belle pierre de jardin. Ils sont pas grosses de même d'habitude. Ah, oh, regarde ça ici. Le beau dessin qui ressort. Ouais, ça, là, c'est vraiment très décoratif pour un jardin. J'ai l'impression d'entendre des coyotes, mais je suis pas sûr. Ils sont très loin. Un petit cristal ici. Ouais. Bon, allez à l'abri dans l'auto. Ah! Non! Ça finit plus! Tout ce qu'il me fallait, c'est une bonne pluie. Alors, moi ça. Quartz jaune. Ah bon, on dirait quelque chose de très jaune. Ça peut être des outils. C'est très très vieux. Ça ressemble à un outil. Ouais. Peut-être un outil un peu raté. Pas très ancien. Verdâtre, avec des lignes vertes. Du rouge. Ça, j'aime beaucoup les petites veines de couleur dans le quartz. Pierre de lune, tu fais du pâte blanc.
Mémoire faible. Ça peut être aussi un grenat. Un grenat jaune. Une citrine ou un topaz. Magnifique. Alors, ces sentiers-là, je pense qu'il faut vraiment les faire quand il pleut. Et là, j'ai plus de mémoire. Alors, je m'en retourne. Je vais devoir arrêter la vidéo là. Moi, je vais continuer à recueillir. Oh! À recueillir des beaux cristaux. De quartz, peut-être de fluoride, de différentes choses. Et je laisse là-dessus. Je m'en vais sur mon chemin. Je vais aller me réchauffer à la maison. Oh! Allez! Ah non, il y a une. Moitié. Oh, non. Ah, je deviens fou. Ah, ça, j'avais dit ça. Ou du chien sauvage, une meute de chien sauvage. Oh my god. Qu'est-ce que c'est ça? Un chenil? Il n'y a pas de chenil ici. S'approche. Voyons. Ça, c'est louche. Allez. Ciao. On dirait qu'elles ont été roulées. Une autre belle pierre ronde. Ah, il y en a plusieurs finalement de ces pierres-là. Elles sont jolies, moi je les aime bien. Ça c'est quoi? Oh! Un jaspe jaune. Ah ben, je vais le rouler pour voir s'il reste jaune. Bon! J'ai goûté des ketchup. Heinz. C'est moins cassé que celle que j'avais. Le Vicks. Ah oui, elle est cassée.